D'ailleurs, j'en profite. Point de compétence. Là, ça sera peut-être en castagna, par contre. C'est quoi? Utiliser la poussière et les cailloux pour aveugler aux ennemis et les rendre invulnérables. Non. Peut-être ça. En vous concentrant de plus de temps pour viser de manière précise avec votre arc. Ça pourrait être utile. Il y a peut-être mieux. Trouver les poches cachées sur les cadavres. Ouais, ça c'est bien. Après, c'est des trucs, mais c'est... C'est purement accessoire. Donc, non, je suis bête. C'est déjà à fond. Qu'est-ce que je peux améliorer? Frein de... Ah mais non, c'est pas un silencieux, c'est pour réduire le recul. D'augmenter la vitesse de rechargement. Cadence de tir. 15 balles supplémentaires, ça c'est bien. Vire, allez, oust. La cadence de tir. Et le flingue, je peux peut-être améliorer mon flingue. Frein de bouche qui permet d'augmenter les dégâts. Bah, ce qui fait que là c'est bon, là il est ultime mon frein. Mon petit flingue là, regardez ce truc. C'est plus un flingue ça, c'est une bombe atomique. C'est tout simplement une bombe atomique. Un livre, encore et toujours. 17 septembre 1982. Un plan commence à prendre forme dans mon esprit. Pour contrôler le pouvoir de cette île, je dois d'abord comprendre son histoire. J'ai besoin de temps et de place pour étudier cet endroit. Il y a tant de mystères ici, à commencer par les vestiges d'un ancien empire japonais et d'une mystérieuse reine. Cette reine est la clé, c'est certain. Ben voilà, maintenant c'est dit, on a la certitude qu'il s'agit tout simplement de la reine Himiko, hein, sinon il ne parlerait pas de la fameuse reine. Donc, je suis bête. Je sais pas comment on fait pour lâcher. Comment on fait pour lâcher? Non! C'est pas comme ça. Donc voilà, c'est sans doute la fameuse tour. Oui, j'ai compris que c'était là. Ah, donc c'est shift, ok. Donc c'est shift. Alors attention, on va ne pas tomber. Ok, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez là, allez là, allez. Allez là, allez là, allez. On y croit tous à fond. Là, évidemment, l'échelle va se casser parce que... Voilà. C'est un Uncharted-like, ne l'oublions pas. Donc voilà, maintenant tu sais qu'il faudra que tu sautes, hein, comme ton petit compère. C'est très gentil de la part des développeurs de nous faire un zoom sur le fessier de Lara. Je vois pas pourquoi ils font ça, hein, ils devraient pas se sentir obligés. Hein. Comme si les joueurs étaient des pervers. N'importe quoi. Mon ami Maxime pourra le confirmer, je ne suis absolument pas pervers. Moi je serai à sa place, j'aurais aussi peur qu'elle. Oh mon dieu. Surtout que j'ai le vertige. Oh mon dieu. Alors en plus il manque des échelles, enfin des échelons. Bande de pervers. Allez Lara, montre que t'es une croft. Ouf. Oh la championne. Alors là, rien à dire. Toutes mes ficelles de caleçon. On pourrait presque dire qu'elle est sur le toit du monde. Alex ?
Lara. Je suis devant le panneau. Ok. La tour devrait renforcer le signal de l'émetteur. Ok. Ensuite, trouve le canal d'urgence. Et essaie d'avoir un signal clair sur ta radio avant de diffuser le SOS. Hey. Tu sais qu'on croise tous les doigts pour toi ici. Merci. Voilà, j'en étais sûr. Donc en fait, j'ai le choix entre soit une chaîne de musique, une chaîne de rock. C'est la phase chiante. De réponse d'urgence internationale. Ah voilà. Mayday, Mayday. C'est Lara Croft de l'Endurance. Nous avons fait naufrage sur une île dans le triangle du dragon. Nous avons besoin d'aide en urgence. Répondez. Répondez. Allez. Mayday, mais je ne souviens pas du champ magnétique. De l'Endurance. Ici l'avion November 177. Ah. Nous cherchons depuis le signal de détresse lancé de votre navire. On commençait à perdre espoir. Nous aussi. On a votre position approximative, mais il nous faudrait un signal visuel. Ok, je peux faire ça pour vous. On se dirige vers vous. Lara Croft, t'es incroyable. Hey, Reyes a même esquissé un sourire. De l'essence, des flammes. Je peux y arriver. Ah ben voilà. Donc la petite Lara elle réussit, donc voilà. Alors le problème c'est de savoir si l'avion lui arrivera à ne pas s'écraser. Ce qui est une question existentielle. Je vais peut-être recharger. Non je peux pas. Ça sent le piège. Ah oh, ça sent le piège, ça pue le piège. Je vais prendre mon flingue au cas où. Des cuves d'essence. Des morts. De la Seconde Guerre mondiale. Des caisses pleines. J'aimerais aller là-dedans. Peut-être tout simplement qu'il y a une porte d'entrée très conventionnelle. Voilà. Ce qui explique pourquoi. Ah, il y a un truc là, c'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Allume feu !
Ah. Ça devrait marcher. Allume feu. Maintenez E pour allumer la torche. Oh, c'est bon ça. Ah ben alors là les amis, je suis heureux. Heureux. J'ai plus besoin de faire des trucs pas possibles pour avoir du feu. J'en ai à disponibilité. Donc bah va pour l'essence, hein. Vas-y, vas-y Francky, hein. C'est parti, donc là je regarde juste s'il y a des objets. Par curiosité. Ensuite, y a pas un truc là-bas? Y a peut-être un truc là-bas. Bon, y a rien. Donc maintenant, va pour la cuve d'essence. Voilà, l'essence se met à couler à flot. Attention Lara de ne pas t'enflammer. C'est parti. Bon, ça c'est du signal, hein. Le voilà. Ah, le voilà. Oh. T'as vu ça? Ouf. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Vous avez vu ça? Le temps a subitement changé. Il y a eu un temps orageux et les éclairs ont visé l'avion. Modèle débloqué. Mais je m'en fous du modèle! Le pilote. Je dois le retrouver. Mais c'est un truc complètement dingue. Mais c'est complètement dingue cette histoire. Le gars, l'avion, l'avion qui trapèze. Les barres suspendues s'utilisent comme des trapèzes. Yo. Oh putain, il serait peut-être temps d'y aller. Mais c'est quoi ce lieu? Allez, vise bien là, vise bien. Bon, il y a eu une légère redirection. Et voilà. Oh ben non! Lara, tu es là! Dis au revoir! Bon sang, ils ont tué les pilotes! Bon bah pour cette fois-ci me voilà vraiment seul. Parce que bah y'a plus personne quoi, hein. Y a vraiment plus personne. Allez, je peux allumer maintenant, voilà, hop, magie. Magie du Silex. Et malheureusement aussi triste magie de la mort.
qui a pris la vie à deux personnes que je pouvais très bien sauver. Quel pauvre homme. Donc il y avait un truc en haut, je vais aller voir ce que c'est rapidement. Parce que vraiment je peux aller en haut. Voilà. Oh bah c'est un gros coffre en plus. Ça c'est génial. Parce qu'avec mon compétence 100. Ah non, 40. Faut pas rêver non plus, voilà. Donc voilà, donc maintenant que j'ai réactivé l'antenne radio, j'ai fait plein de trucs quoi. Mais malheureusement apparemment le temps n'est pas avec moi. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Putain, c'est affreux. Je suis bloqué sur l'île.